What's up boys, nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing. On va se retrouver pour unboxer des LED. C'est parti. Ça les gars. Ça aussi. Ouais, ils ont une boîte ordinaire en carton avec la marque Newer juste ici. Dans la boîte on a des présentadés comme celle-là, les petits panneaux, c'est super, qui sont des panneaux USB. Ok, donc il y en a un, il y en a deux avec des petits filtres. Oh, il y en a un qui est vachement abîmé là. Ok, Zako, des fascicules pour t'apprendre à allumer une lumière. Toujours utile, hein. Et teubé. Hop, c'est une matraque télescopique. Ici, du coup, on a les pieds. Ok, donc on a notre pied. Relativement grand, quand même. Mais qui n'a pas l'air d'avoir de résistance sur la fermeture. Bon. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc ensuite on vient fixer le pied sur la tige. Donc une fois fait c'est comme ça, on met le panneau là dessus pour qu'on voit quand même que on a un filtre diffuseur. Ici on a des petites LED. Donc ça consomme 10 watts, ça a une puissance lumineuse de 1000 lumens. Hop, je vais lancer là-dessus. Une fois le tout assemblé, on a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, c'est branché, on va pouvoir l'allumer avec la petite molette, enfin les commandes qui est intégrée. Ok, et bien déjà, première vue, ça a une patate. Ah, donc on peut régler l'intensité avec toujours la petite télécommande qui est intégrée à ceci. Donc franchement déjà là on a une patate pour un panneau aussi cheap qui est vraiment cool. On est sur USB donc on peut s'en servir en déplacement avec une batterie externe, c'est un gros avantage. Et moi je l'ai payé l'ensemble, le kit, 29,50€ je crois. Parce qu'il y avait une petite promotion, sinon il se retrouve à 43€. Mais à 29,50€ c'est vraiment, je trouve, un deal de fou malade. Déjà juste 30€ de lumière comme ça dans des petits trucs qui prennent pas de place pour un setup streaming, pour un setup photo sur des plans qui sont assez macro. Par exemple si on veut faire une photo d'un couteau comme ça, ça peut être vraiment très très bon. Alors en combinant avec les filtres couleurs, on va quand même essayer. Hop, si je mets un filtre bleu, paf, on est sur du bleu, on monte un peu la luminosité et on a du bleu. Donc on a un peu de bleu, bleu clair, donc on peut toujours rajouter une couche de bleu si jamais on veut plus de bleu. Donc on a quelque chose qui rend pas si bleu que ça, donc un peu déçu pour le bleu. C'est pas la folie, même en ayant mis les deux, c'est franchement pas fou quoi. Et le rouge a l'air de marcher un poil plus, mais on est un peu sur du rosé. Franchement le filtre de couleur c'est vraiment pas la galie, on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement fragile, extrêmement cheap. On peut voir ici déjà que les trucs sont abîmés dès la livraison et ils vont venir se rayer, s'émietter au fur et à mesure où on va les mettre dedans. C'est assez galère à rentrer dedans. Donc lui il a pas trop de dégâts, les jaunes sont quasiment intacts. Ok, donc voilà le deuxième qui est monté. Hop, et ensuite dans la boîte on a encore quelque chose. Alors qu'est-ce que c'est que cette chose? Une fixation qui du coup va être vachement cool je trouve, car elle a l'air déjà plus résistante. Donc pour mettre par exemple, si je le conseille pas forcément, pour mettre des trucs un peu plus lourds, s'il a un petit appareil photo ou quelque chose d'autre qui est un peu plus lourd que ce panneau ou un petit téléphone. Du coup on a une fixation aussi qui est entièrement en acier, qui n'est pas en plastique, sauf ici
la base. Du coup, je vais essayer de brancher quand même le deuxième et mettre les deux à fond, juste pour voir la puissance de lumière qu'on va pouvoir avoir. Hop, je me suis mis ma petite batterie externe de chez AOK. Et du coup, je vais venir la brancher. Hop. Donc, j'ai vu un truc qui s'est passé. Là, au lieu. Waouh. Bah oui, mais c'est ta basse. Hein. Donc, je la mets juste en direction du plafond. Celle-là, même punition. Voilà. Donc là, les deux lumières sont censées être à fond. Et du coup, voilà, l'image est complètement cramée. Hey. En conclusion, qu'est-ce que ça vaut réellement? Du coup, pour moi, pour tous ceux qui nous parlent de l'argent, s'acheter les Elgato K-Lite, eh bien je pense que c'est la meilleure alternative cheap pour avoir une bonne lumière en deux points pour pouvoir faire des streams ou des vidéos comme ici. Moi de mon côté, je m'en sers quasiment tous les jours dès que j'allume la caméra pour du stream ou pour de la vidéo comme ici. Donc il y en a une juste là pour faire une ambiance un peu bleutée et une ici que vous allez sûrement pouvoir voir légèrement pour faire un contraste rouge sur le bleu, ce qui fait que du coup on a une petite ambiance sympa. À ça s'ajoute évidemment des backlights derrière moi qui sont un peu plus grosses, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, je vous conseille, si vous n'avez que une quarantaine d'euros à investir dans de la lumière pour pouvoir faire des streams ou des vidéos ou commencer, je ne sais pas, autre chose, des photos ou autre, je pense que c'est un très bon investissement et que ça vaut son prix. Alors oui, c'est cheap, c'est plastique, c'est assez fragile, en tout cas ça en donne l'impression, mais ça fait le boulot. Et pour le prix, 15€ pièce, on va pas s'attendre à quelque chose d'hyper solide avec des finitions en métal ou en alu comme ce qu'on peut avoir sur les Elgato K-Lite. Mais l'avantage, c'est que c'est transportable, c'est en USB et on peut l'embarquer partout. Les pièces sont fournies, on peut pas contrôler la couleur si ce n'est qu'avec des filtres qu'on va appliquer au préalable. Mais au moins, on a la lumière pour 10 fois moins cher. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, c'était des prods, à plus pour une prochaine vidéo test. Allez, salut.